premier à oser affronter Mars, le dieu de la guerre. Non ! Ne fais pas ça ! Non ! Je n'en sais rien. Non, cette fois, c'est trop tard. Mais c'est merveilleux d'être un dieu. Oh, chaque cellule de mon corps regorge d'énergie. C'est dur à admettre, l'ami, mais se battre contre un dieu, c'est un combat perdu d'avance. Le corps humain a des limites que tu ne dois pas dépasser. Sinon, tu finiras par y perdre la vie. Un ordre nouveau vient de prendre le pouvoir sur cette planète. Je suis ton nouveau seigneur et maître et tu me dois obéissance, Terry. Toute résistance sera punie de mort. Oh, Terry ! Le temps est venu pour moi de me débarrasser des gêneurs de ton espèce, Terry Bogard. Tu ferais bien de laisser mon frère tranquille. Mei, occupe-toi de Julia. Compris, Andy. S'il veut jouer avec le champion du monde, tant pis pour lui. Il va s'en mordre les doigts. Pas ça, non ! Joe, je suis avec toi ! On va aller voir ce salaud ! Il va voir ce que ça coûte que de s'en prendre à la famille Bogart ! Yeah ! Prends ça ! Ton compte est bon ! Hé, espèce de dieu à la noix, reviens sur Terre que Joe Higashi te donne une bonne leçon ! Elle revient enfin à lui, mais... Oh, Terry! Mais où suis-je, Julia? Repousse-toi un peu, Terry. Je retourne au combat. Non, tu ne peux pas gagner contre lui. Julia et toi, vous allez filer d'ici. Je vais aider Joe et Andy. Oh, mais tu es blessé, Terry! Fais ce que je te dis! Va, dépêche-toi! Julia! Je vais faire de mon mieux. Ton frère sera obligé de s'incliner devant les combattants de la justice. Tant pis, s'il faut mourir, autant le faire en héros. Oh, bien joué! Arrête-moi! Andy, Joe, on y retourne, pas de pitié, les gars! Je vais aller me battre, mais... Non, pas question. Mais nos amis... Écoute-moi, Julia. Tu ne peux pas aider Terry en allant te battre avec lui. Mais tu peux lui apporter un énorme soutien moral, il en a bien besoin. Ta puissance mentale alliée à ses points le feront gagner. Je vais essayer. Moi, je vais aider Andy. Il a sûrement besoin de moi. Comment aider Terry? Oh mon Dieu! Aidez-nous! Ça va aller, May! Oh, Andy, je veux que toi et moi, on forme un couple pour la vie. Une fois ce combat terminé, je veux qu'on se marie. Oui. Le
salaud. Non, Joe. Ah ah. Oui, cette fois, je l'ai eu. Ah. Où es-tu, Sulia? Mais qui lui a mis ce coup? Oh, non. Mon phare n'est pas le seul descendant de Godemus. Cette saleté d'armure de Mars est ancrée dans nos gènes depuis 2000 ans. C'est une affaire de famille. Approche qu'on en finisse une fois pour toutes. Sulia! Adieu, Terre, mon amour. Oh. Non! Non! Oh, Terre! J'avais promis de te protéger, Sulia. Ah! Mais pourquoi tu fais ça? Pardonne-moi, Terry. Je n'avais pas d'autre solution. Je ne voulais pas qu'il tue l'homme que j'aime le plus au monde. Achève Lockhorn. C'est le moment. Frappe-le en plein cœur et avec toutes tes forces. Non, je ne peux pas faire ça, Sulia. Si tu dois le faire, Terry, c'est le seul moyen de débarrasser la Terre du fléau de Godemus. Mon frère voulait être un dieu. Il est temps qu'il rejoigne le Tout-Puissant au royaume des cieux. Oh, Sulia. Je sens que je vais mourir, Terry. Mais avant de partir, je dois te dire que je t'aime, oh, mon amour. Terry, si tu m'aimes un peu, alors frappe-le encore en plein cœur. Fais-le pour moi. Je t'en supplie. Ma sœur t'a dit des bêtises. Je suis invincible. Je suis un dieu, Mina, petit mortel. Rien ni personne ne peut me battre. Et tu vas t'en rendre compte très rapidement. Règle numéro 1, il ne faut jamais mépriser ou pire encore sous-estimer son adversaire. Mais quel adversaire?